Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo mensuelle mon maquillage du mois. Donc ce sera pour le mois d'avril puisque ça y est, il est entamé. Je me demande si ça sera pas une des dernières vidéos parce que ma caméra est carrément en train de me lâcher. J'hésite encore à en acheter une autre. Bref, je pense que pour cette vidéo elle devrait tenir le coup à peu près. Donc comme d'habitude, je vais vous expliquer le maquillage et les soins que je vais utiliser au mois d'avril et on commence par les soins. Alors la routine soin s'est très nettement simplifiée depuis le mois dernier puisque j'ai terminé plusieurs choses. En particulier j'ai terminé l'espèce de petite poudre que je mélangeais au sérum du matin qui était de Garancia. Donc ça c'est terminé et j'avais 2-3 options en double et du coup j'en ai terminé. Par exemple j'avais 2 crèmes comme ça, j'en ai terminé une, enfin bref. J'ai terminé aussi le sérum que j'étais en train d'utiliser, donc ça y est, j'en ai commencé un autre. Donc le matin, je commence par le sérum. J'ai donc commencé celui de The Ordinary à l'acide hyaluronique 2% plus B5. Il me semble que j'en avais déjà utilisé un pot de ce truc-là. Donc là, ça fait à peu près une semaine que je l'utilise. Et je suis pas forcément hyper fan de la texture qui est un petit peu collante. Alors bon, je vais l'utiliser, hein, c'est pas non plus une catastrophe, mais j'avoue que je préfère des textures un petit peu plus lisses et légères. Après, si ça fonctionne, bon, pourquoi pas. Donc pour l'instant, je n'utilise que le matin, et quand j'aurai terminé ce que j'utilise le soir, j'utiliserai le matin et le soir. Pour le contour des yeux, c'est matin et soir le même, et c'est toujours celui de Kiwi, le Superfood Cooling Eye Serum. J'ai bon espoir de le terminer d'ici à la fin du mois d'avril. Je pense, et ça serait pas dommage parce que pour le coup celui-là je l'aime pas non plus à cause de sa texture qui est trop liquide pour le coup et qui est vraiment pas pratique je trouve à utiliser en contour des yeux et pas tout à fait assez hydratante à mon goût. Donc j'ai bien hâte de l'avoir terminé celui-là. Je pense qu'il va me durer quand même la majorité du mois, il m'en reste quand même un bon peu. Mais voilà, ça j'ai bon espoir, on est sur la fin aussi. Et la crème de jour, c'est la Nivea Cudis Power Anti-Ride Fermeté FPS 15. Qui est pas mal. Qui est, je trouve, pour les mois d'hiver, une texture tout à fait correcte. Et qui sera peut-être un petit peu trop riche à partir du moment où il fera chaud. Donc là, j'en suis une petite moitié d'utiliser. Donc elle va me durer encore quelques mois parce que je n'utilise que le matin. Et après, je pense que je serais contente d'arrêter de l'utiliser sur les mois d'été. Le soir, rebelote, sauf que j'utilise en ce moment une huile pour le visage le soir. C'est pareil, elle sera terminée avant la fin du mois d'avril, je pense. Et c'est pas dommage non plus parce que là du coup on arrivera au moment de l'année où en tout cas en ce qui me concerne il fera un peu trop chaud pour mettre une huile le soir. L'hiver c'est très bien, j'ai découvert les huiles et je trouve que c'est quelque chose d'agréable en hiver, mais quand il fera chaud par contre ça sera trop riche. Donc en l'occurrence c'est celle de Votary, la Super Seed Facial Oil. Mais j'imagine que pour quelqu'un qui aime les huiles, celle-là elle est pas plus mauvaise que l'autre. Il y en avait quand même 50 ml, donc ça m'aura duré vraiment longtemps. Et donc je vous disais, quand celle-là sera terminée, mais pas tout de suite, hein, il y en a quand même encore pour facile 2-3 semaines, j'utiliserai le sérum The Ordinary matin et soir. Donc le soir, j'utilise le même contour des yeux, et en ce qui concerne la crème, vu que celle-là a un SPF de 15, je ne l'utilise pas la nuit. Et donc là, en ce moment, j'utilise une de chez Polar, donc je viens d'en terminer une de chez Polar aussi. Et là, c'est la neige éternelle aux fleurs arctiques qui est bien entamée. Donc pareil, je pense qu'elle me fera pas tout à fait le mois. Je ne sais pas encore par quoi je la remplacerai, mais je trouverai bien quelque chose dans mes placards. Et là, je dirais qu'elle est plus qu'à moitié utilisée. Voilà. Mais elle est pas mal aussi. Elle hydrate bien. La texture, elle aussi, est un petit peu épaisse pour les mois d'été. Mais jusqu'à maintenant, c'est très très bien. En même temps, c'est Neige Éternelle de chez Polar. On se doute bien que c'est plus une crème qui va être idéale quand il fait froid.
Donc voilà, pour les soins, on est quand même beaucoup plus soft. Ah oui, et puis ce truc-là aussi, qui n'est pas vraiment un soin, mais que j'essaie de terminer, je pense que je suis pas très loin, c'est un sérum pour les cils de chez Unique, que moi j'utilise plus sur les cils parce qu'il est trop vieux, je n'ai pas très confiance, que j'utilise sur les sourcils, en espérant les faire pousser un petit peu. Peut-être que ça marche un petit peu, mais je suis pas absolument convaincue. En tout cas, j'aimerais bien terminer dans les semaines qui viennent. Voilà pour les soins. Alors, le maquillage, j'ai changé 2-3 petites choses. Et on va commencer par une bonne nouvelle. J'ai enfin terminé le primer jaune de chez je sais plus qui. Bare Minerals, je crois. Et donc, ça y est, ça faisait genre 3 mois que c'était dans mon panier du mois et que je l'utilisais pas. Mais ça y est, j'ai commencé à utiliser le BK Base Filtrante Aurore Rafraîchisseur de Teint Instantané. Donc c'est un petit échantillon de 6 ml et en plus il était moins qu'à moitié rempli. Donc là je l'ai utilisé genre 3-4 fois et j'en suis déjà plus que là. Donc autant vous dire que je l'aurais terminé dans le courant du mois d'avril. Il n'y en avait que 6 ml donc voilà, ça va aller assez vite et ça ne sera pas dommage parce que très franchement je ne vois pas d'intérêt à ce produit. J'en ai toujours entendu beaucoup de bien et je comprends pas trop pourquoi. Donc voilà, bon, écoutez, c'est comme ça. Pour le fond de teint, je continue avec l'équipe gagnante, à savoir mes petits échantillons de Dior Star Studio Makeup, teint studio lumière spectaculaire dans la teinte beige moyen 30 et mon fond de teint de chez Milk qui n'est toujours pas terminé. Et pourtant je l'utilise, hein. Je l'utilise franchement par mois, je dois l'utiliser au moins 15 fois. Et ben écoutez, il tient le coup, hein. Il tient le coup. Est-ce que je l'aurais terminé en avril? Je suis pas sûre non plus. Mais ce qui est sûr, c'est que je l'aurais terminé avant de partir en voyage. Et c'est un peu le but. Donc je continue. Je ne désespère pas. Je les mélange tous les deux pour arriver à une teinte à peu près correcte. En ce moment, c'est essentiellement celui-là. Mais très rapidement, quand il va commencer à y avoir un petit peu plus de soleil, je vais prendre des couleurs. Donc le ratio changera. Mais voilà, pour l'instant, je reste avec celui-là. Pour le concealer, pareil, ça fait des mois que je vous sors le même. Mais j'ai bon espoir à nouveau d'arriver à le terminer dans les mois qui viennent. C'est le Tarte Shape Tape dans la teinte Fer Neutral. Et là, je me dis qu'on n'est pas très très loin d'enlever le stopper. Alors, une fois qu'on en sera à enlever le stopper, il y aura encore énormément de produits et énormément d'utilisation. Mais quand même, ça veut dire quelque chose. Vous voyez, j'y suis pas tout à fait, parce que là, il y en a du produit sur mon applicateur. Mais je trouve qu'il y en a de moins en moins. Donc, les choses avancent tranquillement. Il faut dire, j'en utilise pas beaucoup à chaque fois. Il y en a 10 ml, et ça dure une éternité, parce que c'est quelque chose de très très pigmenté, donc il en faut vraiment, vraiment pas beaucoup. Pour la poudre, j'en utilise deux. Il y en a une que j'ai oubliée dans la salle de bain, mais j'ai la flemme. C'est celle que vous connaissez, la RCMA de Color Powder. Et je me suis sorti également ce petit échantillon de la poudre libre fixante transparente de Laura Mercier, que j'utilise essentiellement sous les yeux, dans le but de le terminer, tout simplement. Voilà, j'aimerais bien... ne pas le stocker pendant mon voyage. Et du coup, je me dis... j'ai l'impression qu'il était déjà entamé, parce que là, il n'y en a même pas la moitié du packaging d'utiliser. Donc je pense que je m'en étais déjà un peu servi, et là, j'aimerais bien essayer de le terminer. Alors, pour ce qui est bronzer, blush, highlighter, pour le coup, j'ai tout changé, puisque j'avais ma palette de chez Benefit, là, pour le bronzer, highlighter, bronzer et blush. Donc je l'ai rangé. En bronzer, je me suis ressorti mon Bronze Booster de Physicians Formula qui est assez clair pour ma teinte actuelle et je trouve qu'il n'a pas été beaucoup utilisé, c'est le moins qu'on puisse dire parce qu'on voit encore très très bien les décors. Donc là, le but d'ici un mois, c'est qu'on voit beaucoup moins le Bronze Booster par exemple. Et il est pas mal. Pour les blushs, je me suis sorti deux de mes petits Make Up Forever Chéri. Qui sont des. Enfin, chérie, c'est. Parce que, bon, bref. Qui sont les High Definition Blush. Ce sont des blushs crème.
J'en ai 9 des comme ça et je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aime toujours énormément leur texture, leur façon de s'appliquer, etc. J'ai utilisé, je crois, celui-là hier. Ils s'appliquent toujours aussi bien, ils sont toujours d'aussi bonne qualité. Donc là, en l'occurrence, c'est le 225 ici et le 330 là. Et je me suis sortie des teintes un petit peu printanières. Mais en même temps que parmi celles que j'avais le moins utilisées, parce que je les ai tous ouverts, mes 9, et il y en a deux où on voit bien qu'ils ont été utilisés plusieurs fois, les autres un peu moins, donc voilà, je suis partie sur ceux-là, donc ils sont pas absolument neufs, mais ils sont encore quasi neufs, quoi. Donc voilà, j'ai bien amusé avec ces blushs-là. Et pour l'highlighter, je me suis sortie le What's Up de Benefit, que j'ai pas utilisé depuis très longtemps, donc c'est pareil. J'ai eu envie de repartir sur des textures crème là pour le printemps. Donc là c'est un highlighter crème avec un petit embout diffuseur là, mais que j'utilise pas. Moi j'en prélève au doigt et après je tapote comme ça sur la peau et c'est très joli. Je l'aime beaucoup aussi celui-là. Voilà, quoi d'autre? On va pouvoir passer aux yeux. Alors, pour les palettes, comme d'habitude, j'ai les palettes de mon projet, je touche le fond. Donc, je passe rapidement, j'ai la Milani Plum Basics, donc c'est la numéro 4. J'ai la Morphe 9A, la Tarteist Pro, la Zoeva Coco Blend et la fameuse Urban Decay Vice 4. Donc dans chacune de ces 6 palettes, 5 ? Non, ah oui, j'ai aussi la Lorac Olala Vanilla qui me sert comme ombre à paupières et aussi comme produit à sourcils. Donc dans chacune de ces 6 palettes, j'ai une teinte où j'essaye de toucher le fond. Et en plus, je me suis sorti une petite palette plaisir. Et là, j'ai eu envie de ressortir cette palette de Natasha Denona qui est la Coral Palette. Donc, il n'est pas une mini, hein, parce que je ne sais pas si vous allez le constater, mais les fards sont gros, sont aussi gros que dans les palettes normales, mais qui est quand même une 5 fards. Et là, ouais, je me suis dit, c'était assez complémentaire avec les fards que j'ai dans mes autres palettes, c'est-à-dire que c'est des couleurs que j'ai pas trop dans les autres palettes, et qui vont bien faire pour le printemps, je trouve. Donc, j'aime beaucoup cette couleur-là, celle-ci est très jolie, celle-là, quand j'aurai envie de pimper un peu le look... celle-là en coin externe et il n'y a que celle-là où j'ai un petit peu plus de mal et vous voyez qu'il y a la trace de mon doigt parce qu'une fois j'avais essayé de voir un petit peu la texture et c'est une texture presque mousseuse donc le doigt s'est enfoncé tout de suite dedans. Ben voilà, ça y est, le morceau est parti. Zut, alors là ça va pas le faire, attendez, faut que je règle ça. Bon, il y avait un petit coin d'ombre à paupières là qui s'était cassé, j'ai essayé de le represser délicatement. Bon bah du coup vous allez avoir droit à un petit swatch de cette ombre à paupières. Et quand je dis petit, voilà. Elle est très jolie, hein, mais faut avoir envie d'avoir un look un petit peu agressif quand même. Donc voilà du coup pour cette ombre à paupières là. C'est pigmenté, hein. Ensuite j'ai quelques ombres. Donc j'ai toujours ce truc là qui est dans mon projet 10 fois et c'est tout et que j'ai utilisé, bougez pas, je réfléchis, 0 fois. Donc de chez Pez, ça irait sûrement bien avec cette couleur là, cela dit, qui est le pur pigment blue rouge. Mais j'avais pas du tout été impressionnée par le swatch, pour le coup. Ah. Pour le coup, la couleur est quasiment identique, mais le swatch est pas le même que sur Natasha Denona. Pas le même délire, vous voyez. Un peu le même concept, c'est pas la même exécution, quoi. Mais peut-être l'un sur l'autre, ça peut être sympa. Attendez, j'essaye pendant que j'y suis. Si je fais ça. Voilà, ça donne un reflet violet qui est pas inintéressant. Donc clairement... Ça, on pourrait s'en passer, quoi. Je pourrais vivre sans ce produit-là dans mes placards.
J'ai toujours... Je l'ai un peu zappé là, au mois de mars, ce truc-là. Un caviar stick de Laura Mercier dans la teinte Copper, qui est un cuivre. Il faudrait que je l'utilise 2-3 fois quand même en avril. Et je me suis sortie... Pourquoi ? Bah parce que j'avais envie, en fait. Un truc de chez Stila, là, vous savez, les Shimmer and Glow dans la teinte Grace, qui est très joli, que j'aime beaucoup, mais qui est vieux et qui est donc commence sérieusement à sécher, malheureusement. Mais ça, c'est très simple à utiliser, la couleur est très jolie, enfin bref. En ce qui concerne les crayons pour les yeux, j'ai toujours le Master Drama Col Liner dans la teinte Bleu Lagon. Et un produit de chez Sheila, c'est le Ivory Lace Highlighter que j'utilise dans la muqueuse. Et que j'aime bien, ma foi, j'aime bien. Je garde le Milani Eyeshadow Primer, parce que je l'aime bien, et puis voilà. J'ai pas eu l'envie d'en changer ce mois-ci. Le mascara Sheila Bordeaux, pareil que j'ai pas du tout utilisé au mois de mars, mais il faudrait. Est-ce que j'ai un de ces quatre, j'essaierai pas de me faire un look avec, avec ça et ça. Ça pourrait être joli. Je vais essayer. Il ne reste plus que les produits pour les lèvres. Je me suis mis ça dans le panier parce que je l'ai et je pense jamais à m'en servir du recourbe cils. Donc il faudrait que j'essaie de m'en servir un petit peu plus. Donc pour les lèvres, j'ai toujours les deux mêmes crayons à lèvres. Ce truc-là qui était un échantillon de laboratoire et le Colourpop Lippy Pencil dans la teinte dopée. J'ai ce gloss. Mais ils sont où mes rouges ? J'ai ce gloss de Helena Rubinstein qui était aussi un échantillon de laboratoire que j'essaie de terminer. Bon, j'y crois moyen, mais j'aime rien. J'ai toujours mes petits échantillons de Chanel et j'utilise celui-là, le rouge là. Donc j'essaie d'avancer là sur le rouge et j'avance un petit peu ma foi. Et je suis toujours dans ma recherche du rouge à lèvres idéal pour partir en voyage pendant 10 mois. Je commence à me dire de plus en plus que ça sera peut-être plus intelligent pour moi de partir avec un ou deux rouges à lèvres liquides, puisque ils contiennent plus de produits dans moins de packaging, et puis que pour aller dans des pays chauds, bah, ce serait peut-être intelligent d'avoir des rouges à lèvres liquides. Je ne sais pas encore. Et donc, bah, depuis le mois dernier, je me suis mise en tête d'essayer les rouges à lèvres liquides que je possède, pour voir s'il n'y aurait pas une formulation qui me plairait plus que les autres. Donc le mois dernier, j'ai essayé ceux de Slick, et c'était pas mal, mais pas exceptionnel. Et donc là, j'en ai sorti beaucoup, mais c'était juste comme ça, quoi. Je me suis sorti les 4 de chez The Balm, les Meet Matthews, et le Sephora rouge velouté sans transfert dans la teinte 13. Donc celui-là, je sais qu'il est pas mal. Donc il est vraiment... il sera peut-être dans le top 5 quand même. Et en plus, il y en a 5 ml, ce qui est relativement généreux pour un petit packaging. Donc il coche beaucoup de cases. Ceux-là, ils sont très généreux aussi, puisqu'il y a 7,4 ml. Et quand on voit les contenances des rouges à lèvres liquides maintenant, on est plus sur du 3 à 4 ml. Donc ceux-là sont vraiment très très généreux, et pareil pour un packaging qui ne prend pas énormément de place. Donc je me dis, si la formulation est aussi bien que ce que je me rappelle, et qu'il y a une ou deux teintes que vraiment j'aime beaucoup, pourquoi pas. En plus, ils ont un petit... ils ont une senteur un petit peu mentholée, ce que d'habitude j'aime pas trop, mais je me dis peut-être dans les climats chauds ça pourrait être agréable. Donc voilà, ça il va falloir que je les réessaye. Donc voilà, vous savez tout pour toutes mes options maquillage et soins pour le mois d'avril. J'ai été un petit peu plus soft que d'habitude, j'ai l'impression, pour les options de maquillage. Bon, j'ai encore largement de quoi faire, hein,
Mais j'ai l'impression qu'il y en a un peu moins que d'habitude et c'est pas plus mal. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.